Se déplace. Bon. On peut pas le viser où ce qu'il est, alors il se cache constamment. Il n'y a qu'un moment précis qu'on peut l'avoir. Soit on peut l'avoir directement vers la fin, soit avant qu'il atteigne notre cachette. Mais c'est très difficile vu qu'il se déplace quand même assez rapidement. La peur, il est là. Non. Mais c'est le prochain. Tu m'échapperas pas, mec. Et un autre de moi. Non, les poumons, lui, ça fait mal. Voilà. Il se passe trop vite pour que je... Ah. Il est là-bas. Il y a un sniper. On va le tuer. Bon, allez. Ah, une autre voiture. C'est pas terminé, les amis. Ah, par contre, ça va être difficile de l'avoir en courant, éclair, alors... Il y a des chances pour que je rate la mission juste parce que j'ai raté la fin. En soi, elle est pas difficile. Il faut être très précis. J'ai peut-être fait l'erreur de mettre la balistique à la réaliste alors. Il y a un autre mec là qui me tire dessus. Je crois que je le vois. Et vers la fin, on va avoir un tank. Ah, bordel. Ah, le tank, il est là. Alors, dès qu'on l'aura abattu, Claire va essayer d'aller vers le train, ici. Et ce sera notre dernière chance de pouvoir espérer le tuer, alors... Je sais pas si je vais réussir. Ce serait vraiment dommage que je rate la mission. Vraiment. Et je serais obligé de recommencer la vidéo alors. Et j'ai pas envie. Le rachat. Non! Ah non! Ah non! Oh non! Ça a pas marché! Ah putain, je déteste quand ça fait ça! Ah! Putain, mais c'est ça qui est chiant, il est trop rapide ce con! Eh merde! Bon, je retente une dernière fois, mais si je le rate, je rate la vidéo, hein! Mais putain, mais ça me fait chier, quoi.
le... Ah, je crois que je l'ai. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'essaie d'avoir Hitler maintenant. Oh, le... oh mais merde, mais il est trop rapide ce con. C'est chiant de revoir les mêmes chaînes, quoi. Je vais faire ça le plus vite possible, mais je vous promets rien. Il est allé en bas. Bon allez, cette fois-ci c'est ma dernière chance de le tuer, je vais essayer. C'est chiant parce que ça rallonge en même temps les vidéos. Comme ça, pour que c'est plus précisément. Allez! Active-toi, allez! Putain. Non, allez, s'il te plaît, ne fais pas ça! Oh ouais! Je l'ai! Ouais! Oh! Mais il a pas de cœur! C'est normal, c'est Hitler! Ouais! J'ai terminé la mission. Alors, bon, j'ai fait un fail. Mais en même temps, ça va montrer ce qui se passe quand on échoue. Alors, je vous dis, c'est très difficile de tuer quelqu'un qui court. Alors, voilà. Bon, bah, en résumé, quel est mon verdict de ce DLC? Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il est indispensable? Eh bien, non. Pourquoi? Parce que c'est une mission. Certes, elle est sympa, mais elle est courte. Elle n'a rien d'exceptionnel, à part qu'on voit Hitler. Bon, d'accord. Mais Hitler n'a pas été tué par une balle de sniper à ma connaissance. Alors, ce n'est pas un fait réel. Alors, c'est vraiment... ce n'est pas réel. Ce ne s'est pas passé réellement ce qui s'est passé alors. Mais bon, si vous connaissez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, clairement. Les deux armes bonus qu'on obtient sont assez sympas, mais par contre,
Ils ont un gros défaut, c'est qu'à distance, elles sont très peu précises. Ils ont énormément de recul. Et vraiment, j'ai pris la meilleure des deux, d'après moi. Sinon, j'aurais joué avec le Mosin-Nagant et j'aurais peut-être eu moins de difficultés. Bon, voilà. Donc, ce DLC, pour ma part, vaut la peine seulement si vous avez aimé le jeu. Pour 8 $, je trouve que c'est un peu cher pour un DLC qui offre pas beaucoup de choses. Mais bon, vous avez quand même les deux armes bonus, c'est pas rien. Et moi, je suis pas déçu. Je suis content de l'avoir acheté. Alors, si vous avez aimé le jeu, ben prenez-le et essayez-le. Sinon, ben, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Ça change absolument rien. Bon voilà, c'était probablement la dernière vidéo de Sniper Elite V2. Je pense pas qu'il y en aura d'autres. Alors, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Donc, à